comme un avion sans aile. J'ai chanté toute la nuit, oui j'ai chanté pour celle qui m'a pas cru toute la nuit. Et même si je peux pas m'envoler, j'irai jusqu'au bout. Oh oui, je veux jouer, même sans les atouts. Oh, tu fais semblant de regarder ailleurs. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tuto comme un avion sans aile de Charles-Élie Couture, un chanteur que je détestais au début de sa carrière jusqu'au jour où je l'ai vu en concert, et là j'ai adoré. Une vraie bête de scène, quelqu'un qui mérite vraiment le détour. Voilà, je vous livre ma version avec mes accords et ma manière de la jouer. Je ne détiens pas forcément la vérité et j'espère que cette version vous conviendra. A tout de suite. Je vais commencer par vous proposer une intro qui ressemble un petit peu à ce que fait Charles-Élie Couture au piano. Voilà, hein. Je vous la fais une fois juste pour vous montrer. Comment on va faire ça? Je vais démarrer tout simplement avec un Do et je vais faire Bas, Bas, Haut. Et côté main droite, quand je joue ici, je localise plutôt 3-4 cordes. Bas, bas, haut. Puis, je viens jouer corde de Si, troisième case. Corde de Mi à vide. Et corde de Mi, troisième case. Et je fonce, parce qu'il va falloir aller assez vite au Fa majeur septième. Et là aussi, hein, vous voyez, je ne fais pas un grand geste. Je vais essayer plutôt de localiser deux cordes ici, celles qui sont passées par mon majeur et mon annulaire. Allons-y jusque là à petite vitesse. 3, 4 et... Voilà pour cette première partie. Et là, pour ma part, j'ai choisi de faire un glissé sur la corde de Mi depuis la troisième case. Et je vais aller jusqu'à la cinquième. Puis je reviens, troisième case, toujours sur cette corde de Mi, puis première case, corde de Mi, puis je reviens au Do. Allons-y jusque là à petite vitesse. 3, 4 et... À partir de là, je refais ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire... Et je finis avec un Sol septième en remontant pour ma part. Mais pour ce qui est remonter ou descendre, peu importe du moment où on arrive au même résultat. Alors, je vous propose qu'on la fasse deux fois au moins à toute petite vitesse. 3, 4 et... Et on recommence. Sol septième. Alors, moi j'ai choisi de le faire qu'une seule fois en intro parce que la seconde fois, je vais faire une rythmique. Je vous la fais une fois, comme ça vous allez comprendre comment je vois l'histoire. Voilà, hein, il y aura une petite nuance sur les accords, mais on verra ça tout à l'heure. Alors comment je fais ça? Je démarre par un bas, bas, et le haut qui va suivre va être en l'air. Ça veut dire que je vais être en transition entre le Do et le Mi, et ce haut va concerner 2-3 cordes, hein,
avant d'attaquer le mi, ce qui me fait ba, ba, o, mi, o, ba, la. Et ce la mineur est en remontant. Ba, ba, o, mi, o, ba, la. Pour relier ce la mineur au fa majeur septième, je vais avoir un o, ba, o. Un o, ba, o très rapide. Et ce o, ba, il faut qu'il soit vraiment, vraiment ici. Sur trois cordes également, mais très discret. C'est le Fa majeur septième, ce O-là, qui va être assez puissant. Allons-y jusque-là doucement. 3, 4 et... Après ce O, je vais poser mon petit doigt ici, troisième case, corde de mi, tout en conservant ici mon Fa majeur septième, et je vais de nouveau faire un O bas, et le dernier O sera comme tout à l'heure pour le mi, en l'air avant de rattaquer. Voyons ça ensemble si vous voulez bien, à petite vitesse. 3, 4 et... Vous entendez bien les temps forts et c'est ce qu'on doit entendre. Tout ce qui est entre, toujours le plus discret possible, et parfois on le jouera même pas. Attention, vous voyez bien que ma main ici, elle s'arrête jamais et c'est ça qui fait que je suis en rythme et que je rajoute les coups là où il faut. Voilà, je sais, ça paraît facile comme ça, mais je sais que c'est pas si évident que ça. C'est pour ça que cette chanson ne s'adresse pas aux débutants. Voilà pour ce qui est du rythme. On aura une deuxième série d'accords qui va être très proche, sauf que on va oublier le La mineur et on va aller directement au Fa majeur septième. Do, Mi mineur, Fa, Sol septième et on recommence. Le rythme reste le même. Je vous le détaille, on y va ensemble. 3, 4 et ba, ba, o, mi, o, ba, fa, o, ba, sol, o, ba, et recommence. O, ba, et do, fa, o, ba, sol, o, ba, o, do. Voilà, vous avez là le rythme de la chanson. Je vous propose qu'on refasse cette intro complète. Alors, je vais faire une fois avec la petite tablature qu'on a vue juste avant, une fois avec le rythme, et les accords s'affichent comme d'habitude pour que vous puissiez suivre. Vous aurez sans doute téléchargé le document que je vous ai préparé en allant sur le lien qui figure dans le descriptif de la vidéo. 3, 4 et... Rythmique. Sol septième. On attaque le chant maintenant. Avec les accords du couplet que l'on va voir tout de suite parce que pour la partie guitare on en a fini. Attaquons la partie chant. La bonne note pour commencer ce chant, c'est un mi, hein, seconde case corde de ré, hein, ou ici comme. On va attaquer le chant sur le deuxième bas de la rythmique, c'est-à-dire comme un avion sans aile. Il est impératif que le L arrive sur ce O de la mineur. Et après, question chant, il ne se passe plus rien. Encore une fois. Comme un avion sans aile, j'ai chanté toute la nuit. Oui, j'ai chanté pour celle
m'a pas cru toute la nuit. Voilà, vous allez trouver une difficulté à cette chanson parce que les phrases de Charlie Lee Couture ne font pas toute la même longueur et donc ne sont pas forcément placées de la même manière. Je ne vais pas vous faire toute la chanson parce que quand vous allez maîtriser les rythmiques et le premier couplet complètement, tout entier, hein, qu'on va faire ensemble, eh bien, ça sera à vous de vous y coller comme moi j'ai fait avec votre petite guitare devant la vidéo de Charlie Lee Couture en essayant de l'accompagner, de chanter en même temps que lui. On y va ensemble pour cette seconde partie. On démarre toujours en do. Et même si je peux pas m'envoler, j'irai jusqu'au bout. Et on recommence. Oh oui, je veux jouer, même sans les atouts. La partie suivante, on revient aux premiers accords, mais la phrase est beaucoup plus courte, du coup, on va être obligé de chanter plus tard, ce qui nous fait. Tu fais semblant. Le blanc de semblant arrive sur le la mineur. Encore. Tu fais semblant. Fa majeur. De regarder ailleurs. Tu dis même que je te fais peur. Pourtant tu sais, je tiens plus debout, aussi crevé qu'un danseur. Voilà la phrase typique de Charlie Lee Couture qui fait 1 kilomètre de long par rapport aux autres. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est 2 voix plus longue. Donc, pour pouvoir la placer, il faut vraiment écouter. Pourtant tu sais, je tiens plus debout, aussi crevé qu'un danseur. Et on rattaque la partie suivante avec les accords Fa majeur 7e, Sol 7e. Oh, il fait lourd. Et grande, grande nuit blanche, etc. Bien, voyez, pour le chant, encore une fois, entraînez-vous avec Charlie Lee Couture. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire cette petite récap en faisant l'intro complète. Le premier couplet complet, c'est-à-dire on va aller jusque aussi crevé qu'un danseur et on va attaquer le couplet suivant juste pour que vous voyez comment il va se goupiller. Et toujours pareil, on va essayer de le faire plus lentement que l'original pour que vous puissiez vous entraîner. Si vous y êtes, 3, 4 et... Comme un avion sans aile, j'ai chanté toute la nuit. Oui, j'ai chanté pour celle qui m'a pas cru toute la nuit. Et même si je peux pas m'envoler, j'irai jusqu'au bout. Oh oui, je veux jouer, même sans les atouts. Tu fais semblant de regarder ailleurs. Tu dis même que je te fais peur. Pourtant tu sais, je tiens plus debout, aussi crevé qu'un danseur. Oh, il fait lourd. Et grande, grande, grande nuit blanche. Et grande, grande nuit d'orage. L'automne est grande mais y a pas d'éclair. Écoute, écoute.